Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Je vais vous annoncer que maintenant, je me tourne vers l'islam. D'abord, vous êtes au courant du débat qui fait rage présentement au Québec, hein, celui qui revient sur les accommodements raisonnables. Et maintenant, c'est autour de la fameuse charte de la laïcité. C'est le PQ qui l'a appelé comme ça, parce que la laïcité est devenue une valeur refuge. La laïcité, c'est le Saint Graal qu'il faut atteindre, la laïcité. C'est quand même un peu étrange de voir que, évidemment, le Parti québécois se positionne, la CAQ se positionne, le Parti libéral se positionne. Les partis plus à droite sont silencieux. Les militants de ces partis-là, ou de ce parti-là, on va dire par exemple du Parti conservateur du Québec, on les entend pas. Silence. Pourtant, à droite, les gens qui ne militent pas, qui sont pas mal plus nombreux, ben, eux parlent. Eux sont curieux. Eux débattent. Eux ont des positions. Eux veulent la faire valoir. Et c'est drôle parce que normalement, le parti politique, c'est l'endroit où il devrait avoir un débat. Mais là, ça se passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez une réponse, dites-moi là, moi je ne le sais pas. L'autre chose, je vois que, bon, des gens, je vais les nommer parce que je veux qu'on interagisse entre nous, que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Il y a mon ami Rénal Duberger qui a posé une question intéressante, je vais y revenir tantôt. Guy et Jesse de Québec et de Trois-Rivières, hein, qui posent des questions aussi très, très intéressantes là-dessus. Puis, évidemment, ben, l'éditeur Daniel Lapré qui a écrit beaucoup, beaucoup là-dessus et qui est très radical, et c'est correct. Je veux dire, ça prend un point de vue très radical. Il faut marquer c'est quoi les balises d'un débat. C'est correct, ça. Et vous aussi, vous avez le droit. Puis vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je veux que vous soyez libre. Ça, c'est supposé. On parle de valeur, là. La valeur première, c'est de devoir pouvoir être libre de débattre. Libre. Même dans un parti politique, sentez-vous libre. Exprimez-vous. On revient un petit peu sur cette histoire-là. Vous ne trouvez pas ça un peu étrange que ce soit le Parti québécois qui positionne ce débat-là? Et que lorsqu'on parle de la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'adresser une question. On n'est pas capable de dire que, dans le fond, le problème, est-ce que c'est les chrétiens? Est-ce que c'est les juifs? Est-ce que c'est les bouddhistes? Est-ce que c'est les végétariens? Est-ce que c'est les gens qui font du yoga? Non. Le problème, c'est l'islam radical. On ne veut pas l'adresser, on ne veut pas le dire. C'est tabou. Est-ce que vous avez vu un attentat ou une tentative des gens de la communauté juive montréalaise ou ailleurs qui menaçaient la société québécoise? Non. Même chose chez les bouddhistes, même chose chez les chrétiens. Vous avez peut-être vu chez certains de ces gens-là des comportements que vous n'aimez pas, mais jamais au nom de leur religion. Vous comprenez? Menacer la société? Non. Par contre, chez les islam radicales, c'est ce qui arrive. On ne veut pas le nommer. Pourquoi on ne veut pas nommer ça? Qui sont les alliés du Parti québécois? Pensez comme Colombo. Qui profite le crime? Qui sont les alliés du Parti québécois dans ce débat-là? Qu'est-ce que souhaite le Parti québécois comme immigration? Est-ce qu'on veut une immigration économique? Non. Est-ce qu'on veut une immigration éduquée? Pas nécessairement. Non, on veut des immigrants qui parlent français. D'où viennent les immigrants québécois qui parlent français pour la plupart? Du Maghreb. Du Maghreb. Quelle religion pratique-t-on dans le Maghreb? Eh oui, c'est ça. C'est ça. D'où proviennent la majorité des terroristes qu'on a spotés au SCRS, qu'on a spotés qui voulaient faire un attentat vers Ottawa, qui voulaient faire un attentat, dérailler un train? Maroc, Tunisie, Algérie, ça vous dit quelque chose? Non, je demande. Okay. Mais ils parlent français. L'essentiel, c'est qu'ils parlent français. Je ne veux pas tous les mettre dans le même panier, c'est pas ça. Aucun problème avec l'immigration algérienne. Il n'est pas là. Il n'est pas là le problème. Par contre, il faut montrer où il est le problème. Le problème, ce n'est pas toutes les religions. Les problèmes, c'est l'islam radical. Est-ce que quelqu'un qui porte une croix vous offense? Est-ce que quelqu'un qui... un fonctionnaire qui porterait une kippa, est-ce que ça vous offense? Sérieux. C'est sérieux, là. Et lorsque vous dites oui, et c'est ça qui m'énerve. Même la droite québécoise parle avec un narratif de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le narratif de gauche, lorsque je suis offensé, il faut qu'on en fasse une loi parce que c'est pas bien de m'offenser, moi. Pardon. Un droitiste, ça doit pas penser comme ça. Un gauchiste pense comme ça. Tout ce qui m'offense doit être interdit. C'est ça la gauche.
Mais même les droitistes parlent comme ça. Hey, vous savez quoi? Vous avez le droit de m'offenser. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire quelque chose qui va me déranger. Vous avez le droit. Mon ami Rénal Duberger pose une question intéressante, puis pose le problème d'une certaine façon, puis je veux qu'on en débatte ensemble. Il dit, oui, mais quand une femme porte un voile, elle est en train de dire à la société, et c'est vrai, que les hommes, vous êtes tous des violents. Les hommes, vous êtes pas tenables. Vous allez m'agresser sexuellement si je me couvre pas. C'est ça que ça dit. C'est pas correct. C'est un peu trop de cul. C'est un peu beaucoup offensant. Mais autant c'est offensant, autant elle a le droit de le dire. Vous vous souvenez, il y a quelques années, j'ai dit, on me l'a reproché, que je ne mettrais jamais le ruban blanc de la honte, hein, le fameux ruban blanc suite à Polytechnique, quand ça a été récupéré par les féministes extrémistes. Ben, les féministes extrémistes avaient dit, puis je me souviens, à l'Hôtel de Ville de Montréal, entre autres, puis à beaucoup d'autres places, où les politiciens, évidemment, comme toute bonne pute, vont porter n'importe quel ruban, hein, pourvu que ça y fasse mal. Et sur les posters, c'était écrit « Le ruban blanc, pour que cesse la violence des hommes faite aux femmes. » Donc, on a mis un genre. C'est quelques années plus tard qu'on s'est rendu compte, et Statistique Canada, l'Institut de la Statistique du Québec, lorsqu'on s'est mis à interroger les gens des deux sexes, plutôt qu'un sexe en particulier, que la violence était également répartie. Alors, je veux pas que cesse la violence des hommes faite aux femmes, simplement. Je veux que cesse la violence. Comprenez? Il y a une nuance là. Et lorsqu'une femme vient me dire pour que cesse la violence des hommes faite aux femmes, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire, toi, l'homme, t'es un violeur, t'es un tueur, t'es un batteur de femmes. Ça m'offense profondément. Si vous voulez venir me chercher, là, dites-moi ça. Mais vous savez quoi? Autant ça vient me chercher, mais autant elle a le droit de le dire, elle a le droit de le penser. Ce n'est pas illégal de le dire. Aux États-Unis, on dirait que ce serait le premier amendement, c'est son droit. Et c'est correct. Puis, si on veut que le discours s'exprime librement, on doit laisser passer ces choses-là. Et c'est là où j'ai de la misère à faire une loi là-dessus. Parce que lorsqu'on accepte ce discours-là, lorsqu'on accepte, okay, d'utiliser le narratif de gauche qui dit « Si vous m'offensez, je vais faire une loi pour empêcher ça », vous êtes en train de jouer à la game de la gauche. Jouez pas à ça. C'est pas là où on doit se tenir les gens de droite. On doit être capable d'assumer notre liberté. Et on doit être capable de mettre notre poing sur la table. Puis dire si vous avez une entreprise, puis que quelqu'un voudrait porter quelque chose qui vous choque, ou pire encore, choque votre clientèle parce que vous êtes en business, ben, veux-tu, on va arrêter ça. Peux-tu t'habiller autrement? Vous avez le droit dans votre entreprise d'avoir un code vestimentaire. Et je comprendrais très bien que l'État québécois impose un code vestimentaire à ses employés. On s'attend à ce qu'une fonctionnaire qui nous reçoit dans un bureau du gouvernement, lorsqu'on va payer pour notre permis de conduire, à ce qu'elle ne soit pas habillée comme une topless. Je comprends ça. C'est correct. Je m'attends à ce que le fonctionnaire ne soit pas plein de bling-bling, habillé comme un rapper. Je m'attends à ça. C'est correct. Avez-vous un problème avec ça? Aucun problème avec ça. Aucun problème. Donc, imposer un code vestimentaire, le dossier est réglé. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable, comme société, de mettre notre poing sur la table et dire, voici les limites. Mais en même temps, je ne veux pas mettre des lois parce que un petit groupe m'offense, donc on va mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est pas vrai. J'espère qu'on va être capable d'adresser ce dossier-là avec intelligence et qu'on va être capable cette fois-ci de faire ce débat-là avec intelligence, ce qui ne s'est pas tellement passé lorsque ça a été fait en 2007-2008, mais ce n'est pas grave. Hey! Faut qu'on la règle, cette question-là. Puis encore là, ça ne veut pas dire qu'on va trancher, qu'on va faire une loi, puis que c'est laïque. C'est pas ça. Mais faut pas qu'on ait peur, comme société, de parler de ces choses-là. Et c'est pas vrai que si je dis que l'islam radical m'offense, et c'est vrai qu'il m'offense, et qu'il offense probablement la très vaste majorité d'entre vous, et en premier lieu, probablement, les musulmans qu'on va dire modérés, ben oui. Ce sont les premiers probablement offensés par l'islam radical. Ils ont le droit de le dire. Alors, imposez ça dans vos entreprises. Imposez ça dans votre vie personnelle. Mais hey,
c'est la vie publique. Laissons les gens libres d'être. Laissons les gens libres d'être. On a déjà assez de lois. Et appliquer les lois qui existent pour qu'on puisse faire ces choses-là de façon intelligente. Vous avez de la place en masse pour faire ce débat-là. Donc, ce que j'ai le goût de faire avec vous, j'ai le goût qu'on fasse un échange. Ce vidéo-là, je vais le poster un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur République de Banane. Si vous avez le goût d'y répondre, postez une vidéo, écrivez des textes. J'ai le goût de vous lire, j'ai le goût de vous entendre, parce qu'évidemment, ça a l'air que c'est pas dans le cadre des partis politiques qu'on va faire ce débat-là. En tout cas, je parle à droite. Donc, alors c'est correct, si ces gens-là ne veulent pas se prononcer, vivez avec les conséquences de vos gestes. Regardez ce qui est arrivé avec Mario Dumont lorsqu'il n'a pas voulu se prononcer en 2008. Les Québécois l'ont crissé à la porte. Pourquoi? Parce que, juste, je vais finir là-dessus. Normalement, dans n'importe quel débat au Québec, je suis capable de savoir où va se positionner Québec solidaire. Je suis capable de savoir où va se positionner généralement le Parti québécois, le Parti libéral. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont comme généralement une base idéologique qui se situe à peu près à tel endroit. On peut ne pas les aimer, c'est pas ça que je dis. Mais on sait où est leur base idéologique. Je souhaite qu'on puisse s'en dire autant de la droite québécoise. Mais peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Peut-être qu'on n'est pas encore capable d'en débattre. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, hein, mais je veux que vous soyez libre, que vous vous sentiez libre de l'exprimer. Parce que c'est comme ça que ça doit marcher dans une société comme la nôtre. À bientôt.